résolution soit pas une résolution dans le sens formel tant qu'on dit qui est sorti par rapport avec bien l'autre aléa parce que il y a un point que l'Assemblée a mandé, c'est une marche nationale qui est en rapport avec la Fédération des Barreaux. Même je suis le secrétaire général de la Fédération, pas président, mais président de la Fédération de fait honneur vient assister à la rencontre aujourd'hui. Et il n'est pas membre du Barreau de Port-au-Prince, c'est le bâtonnier des coteaux. Donc il vient assister. Donc il y a une sensibilité. Il n'y a pas ordonner pour le fond marche nationale, mais il n'y a pas de pouvoir ça tout. Mais c'est de concert parce que tous les barreaux fonctionnent de façon autonome. Donc la loi reconnaît telle qu'elle. Donc il n'y a pas moi qui vais mettre ton bagage pour faire. Cependant, l'objectif là, c'est mobilisation. Et tous les avocats sont mobilisés. Effectivement, ils ont demandé des choses. Mais quand on est dirigeant, nous pas qu'on est courir agir. Il faut que nous réfléchissions tout pour nous comment on a établi ça et conserver l'image, l'honneur de l'ordre. Et aussi, et surtout, honorer la mémoire de Maître Dorval qui a été tué. Donc, pour comprendre ça, nous allons le tuer une deuxième fois. Donc, comme situation paraît, nous dit, conseil a pris acte de toutes les déclarations ou les propositions des avocats qui ont été faites à l'Assemblée. Nous prenons acte de eux, elle dit, nous travaillons sur eux. Deuxième bagage, c'est que nous nous sommes entendus avec la FBH. La FBH, c'est la Fédération des Barreaux d'Haïti, justement, qui, pour la proposition de la marche nationale, suivant ce qui a été proposé par l'ensemble des avocats, nous porterons plainte. Nous porterons plainte formellement contre l'auteur, co-auteur, complice de actes criminels qui fait sous Maître Dorval. Donc, par devant le cabinet d'instruction. Le commissaire du gouvernement a dit qu'il est saisi d'office. Aucun problème, puisque tu as une situation demandée pour le saisir d'office. Mais nous-mêmes, dans l'Assemblée, nous avons demandé pour nous engager nous comme conseil pour nous porter plainte formelle au cabinet d'instruction. Et quatrième élément que nous retenons, c'est que nous avons créé une commission d'enquête indépendante. La commission d'enquête indépendante, c'est pour montrer que c'est pour faciliter que nous aboutissions avec l'enquête.